magazine closé, c'est au tour du magazine France Dimanche de revenir aussi sur. La terrible humiliation subie par Laetitia Hallyday lors de son récent passage à Saint-Tropez. Et ce jour-là, le maire aurait eu un comportement trouble. La jolie blonde assistait à une exposition en l'honneur de Johnny Hallyday. Jade et Joie étaient là avec elle. C'est une Laetitia Hallyday plus que troublée qui scrute les dizaines. De clichés rares sur lesquels son défunt mari, bronzé et en pleine forme, déborde de joie. De vivre, indique le magazine Pople.lx mannequin se serait ensuite attardé sur le plateau de l'Orada. L'ancienne propriété du taulier dans la cité varoise. À son grand regret, au fil de la visite, elle s'était rendue compte qu'elle a été effacée de la vie de Johnny Hallyday. Aucune photo d'elle n'était exposée. La veuve du taulier aurait eu le cœur brisé, mais se serait retenue pour ne pas faire scandale, pendant que sa fille répète en boucle, 23 ans de vie commune, et aucune photo. Une vexation était à son comble. Lorsque le maire de la ville lui demandait sans cesse si l'exposition lui plaisait. Et ça a été difficile. Le plus dur, c'est qu'elle a dû faire bonne figure, alors que les larmes coulaient sur ses joues. Répondant avec douceur au maire qui lui demandait si l'exposition lui plaisait. Article similaire.